Et voici nos panses lavées et découpées en deux. On laisse une petite ouverture pour y introduire la farce. Ici, nous avons du foie, du poumon et de la viande hachée. Nous allons commencer par coudre les côtés. Puis on découpe tous les abats en petits morceaux. Moi j'ai pris un ciseau, ça va plus vite. On va commencer par préparer notre bouillon de pois chiches avec de la sauce tomate et des oignons et des épices. Nous commençons avec les oignons, nous rajoutons la sauce tomate, on la laisse bien cuire 2 minutes pour enlever l'acidité. On met les épices, les pois chiches et on rajoute de l'eau, on laisse cuire. Dans un bol, nous allons mettre nos abats avec du persil, de la viande hachée, on mélange un petit peu, on rajoute du riz ici, moi j'ai pris du riz basmatique. C'est plus parfumé. Puis autour des épices, la cannelle, le ras al-hanout, de l'ail, du cumin et du paprika, haut en saveur. Et nous allons mettre tout ça dans la panse. On ne la remplit pas jusqu'au bout puisque dans la cuisson, ça va gonfler et se remplir. Et on va refermer tout ça. Alors, c'est pas de la haute couture, hein. Et on les plonge dans notre bouillon de pois chiches. On va les laisser cuire à peu près 1h30. Voici le résultat. On a enlevé les fils et voilà à l'intérieur ce que ça donne. On en dépose une dans une assiette. On va y mettre notre bouillon de pois chiches. Voilà, avec un petit peu de persil et à table !